Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mes lions et mes lions, vous savez que la page est restreinte, vous savez que la page est totalement restreinte. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent. Allô? Oui, ma BS, donne-moi 2 petites minutes, je t'appelle, je te rappelle. Excusez-moi, mes lions et mes lionnes, on m'appelle là. Le temps que vous faites le tour de partage, le temps que vous faites le tour de partage, je lance vite fait le coup de fil. Attendez. Allô? Oui, mamie, tu m'as appelé, j'étais en train de lancer mon direct, il y a l'urgence. Oui. Oui. Quoi? J'ai pas trop compris. Qu'il faut que je parte avec toi. Ben, je sais pas. Toi, ta période, c'est quand? Ah, ok, d'accord. D'accord, je te rappelle. Je te rappelle, mamie, je te rappelle. Excusez-moi, c'était mamie. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter quelque C'est chose. votre Kata qui me dépassait. À t'écouter. Quand vous avez blogueur, si tu es jeune blogueur, jeune influenceur, jeune artiste, jeune acteur du showbiz, prends ta chaise et écoute cette vidéo. Alors, j'aimerais que tu cimentes cette vidéo sur ton cœur. Parce que nous sommes dimanche, jour de Dieu, jour de vérité. La vérité que je vais vous donner ce matin, c'est quoi? Si tu veux durer dans ce showbiz que tu vois ici, si tu veux réussir pour longtemps, avoir un succès intemporel, si tu veux avoir une grosse et longue carrière, ne cours pas. Ne cours pas. Ne cours pas parce que ceux qui courent sont stoppés en route. Quand je dis cours, quand je dis cours, vous comprenez ce que je veux parler. Vous comprenez? N'ayez pas les grands yeux. Ne soyez pas envieux. Parce que tout part du fait que vous êtes envieux. Dès qu'on sait que vous êtes envieux là, on vous propose la sorcellerie. On vous flatte, on vous trompe. On vous met dans des loges. Après, vous commencez à regretter, vos familles commencent à pleurer. Je vous donne ce secret. Quelqu'un m'a demandé la dernière fois, attendez. Allô? Oui, bonjour, je suis en direct, tata. Il y a une urgence. Oui, mais elle paye le gel Shine à côté. Ok. Donc. Oui, elle peut prendre aussi le savon 24K à côté. Oui, à côté. Ok. Merci, à tout à l'heure. Excusez-moi. Je vous donne ce secret. Laissez les choses mondaines. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai près de 15 ans de carrière. Je ne suis jamais allé à Dubaï. Ne dites pas que je le coupe. Me voici. La page que vous voyez ici, la page Aïcha Kamoaz, ça a été créé en 2013. C'est une page qui a été créée en 2013. Donc, ça a fait 10 ans pour faire le million d'abonnés. Je répète, ça a été créé en 2013. Ça a fait 10 ans pour faire son million d'abonnés. Il y en a qui sont sortis derrière moi, les yéyés, qui en quelques mois ont fait les 2 millions d'abonnés. Pour vous dire ceci, la vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la comparaison. Chacun avance à son rythme. Je vais vous dire pourquoi. On va en venir. Ne vous inquiétez pas. J'ai mon temps. Je vous ai dit, à partir de lundi, c'est parce que je me suis levée un peu tard. Je reprends avec mon socon. Je vais vous expliquer. Bye. Je n'ai jamais pris l'avion. Mais
Aujourd'hui, tu vois un influenceur, il vient de sortir à peine, il a 5 vidéos qui ont déjà le succès là. Il veut déjà louer un grand appartement à Bonamou Sadi. Beaucoup m'ont dit, Aïcha Kamouaz, tu ne voyages pas aussi? Tu ne pars pas aussi à Dubaï? Tu ne pars pas ici, tu ne pars pas là-bas? La vie va vous enseigner, écoutez. Ou à Denver. Il veut déjà rouler dans une grosse voiture. Actuellement, où je vous parle là, je suis à pied. Je suis à pied et je n'ai pas honte de prendre ma moto à Douala. Quand je prends ma moto, on me salue derrière. On dit pifo, je soulève la main. Quand Dieu va me donner une autre voiture, je serai sur ça. Les choses du diable ne durent pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Je m'adresse aux jeunes influenceurs là. Les choses du diable ne durent pas. Le diable est menteur, le diable est trop. Aïcha Kamouaz, tu fais dans tout. C'est toi qui prépare la nourriture. C'est toi qui prends les produits de chez Kamouaz et Beauty. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, ma soeur. Vous pensez que les filles, qu'on les appelle, on est donc 40 millions pour une nuit. C'est parce qu'elles ont l'or en bas d'une tote. Tu entends quand une influenceuse, on a donné 40 millions pour qu'elle dort avec un grand ministre. Donc tu penses que c'est parce qu'elle est trop belle. C'est parce qu'elle est trop quoi là-bas en bas des gens pour qu'on donne 40 millions. Tu vois les jeunes petites filles tous les jours, ils disent, tata Aïcha, je suis malade. Pour 100 000, on prend vers ce coucou sur leur visage. On a dit qu'il faut qu'elles avalent. Elles doivent avaler le coucou. Consommer le sperme périmé. Et vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Écoutez le message ici. Quand c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui parle comme ça, là, c'est qu'il s'est assis là, réfléchi. Le diable est menteur, le diable est trompeur. Parce que je ne comprends pas ce qui vous arrive. Vous pourrez vous partir où? Vous êtes en Dieu, vous allez où? Un peu, tout le monde veut acheter la voiture. Tout le monde veut acheter la voiture. Non! On achète la voiture quand on est riche. Et une voiture qui est à notre niveau. Tu vas voir un petit qui est à peine 500 000. Le suivisme moutonnier. Moi, je conduisais avec ma petite 206. Ma petite Peugeot 206. Je faisais mes économies. Parce que la voiture que vous voyez, la cache-caille que vous voyez, ça me consomme énormément. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai des moyens de pouvoir rouler en cache-caille. Je n'achète pas la Range Rover. Pas parce que je ne peux pas. Mais parce que je n'ai pas de moyens d'aller, donc de conduire la Range Rover. J'ai d'autres ambitions. Tu vas voir des petits qui, à peine ils ont éclore, ils se comparent déjà aux grandes sœurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous vous rappelez un jour ici là, j'ai fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas appeler ça un clash. J'ai eu une conversation avec Cabrel Nandi, père son âme. Il m'a dit, l'homme Minga te dépasse. J'ai dit, c'est mon grand frère. J'ai dit, mais regardez. Regardez. Parce que tu as en face de toi une Aïcha qui est très simple. Qui ne vient pas sur internet vendre le rêve. Je me suis levée. Je n'ai pas mis, j'ai lavé juste mon visage et tout mon chaud. Et lavé ma bouche. J'ai jeté un quelque chose sur moi pour venir. Je ne suis pas venue sur Facebook pour vendre le rêve. Je suis venue sur Facebook pour faire ce que j'ai à faire. Donc, quand tu vois quelqu'un que tu es en face de moi parce que je ne fais pas le Vumba, parce que je ne publie pas tous mes biens, parce que je ne vous parle pas de mon patrimoine, parce que je suis simple, tu dis que l'homme Minga qui a commencé hier, si elle ne m'était pas, c'est une bonne chose. Hein, parce que les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Vous comprenez? Mais tu vois, quelqu'un vient me comparer. Pourquoi? Pourquoi? Je juste pour vous parler quelque chose. Karine, fiche au camp, hein? Mon grand-père était mort, je parlais de lui. C'est quoi? Vous avez dicté la conduite des gens sur Facebook? Combien les gens m'ont parlé et réfléchi? Hein? Je suis en train de vous prendre un exemple. Pour continuer ceci, je suis en train de vous prendre un exemple. Écoutez. Tu envoies un petit qui a à peine 500 000 francs de bénéfices par mois avec tous les contrats qu'il a sur Internet et tout. Mais il ne couille pas acheter un 4x4. Faites attention. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a pour comprendre, comprenne. Je suis après de 15 ans de carrière. Observez bien ma vie. Observez bien ma vie. Je ne vends pas le rêve sur les réseaux sociaux. Tous mes amis savent où je vis, à Douala. Ils connaissent où sont situés mes bureaux. Vous n'avez jamais vu Pifo se manifester sur Internet qui veut voyager, il veut aller. Quand les gens partent au Qatar, est-ce que vous m'avez vu au Qatar? Est-ce que vous m'avez vu au Qatar? C'est parti au Qatar qui me dépassait.
quand vous avez vu tout le monde part à Dubaï, un peu, ils sont au Congo, un peu, ils sont. Vous partez là-bas, faites quoi? On ne sait pas ce qu'ils partent faire. Eh, aux jeunes filles là, c'est comme ça qu'on vous envoie le mboma dans le ventre. C'est comme ça qu'on tire votre énergie. Parce que vous pensez que l'étoile que. Tu vas les parler, elles vont te dire qu'elles maîtrisent. Tu vas les parler, elles vont te dire qu'elles maîtrisent. Donc, pensez que nous aussi. Ou c'est parce que j'ai 1m50 que moi aussi, elle ne peut pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit ici, là. Un monsieur va venir, il va te dire qu'il donne 50 millions pour aller dormir avec toi. Tu ne sais pas. J'ai mon étoile, je ne dors pas avec n'importe qui. Vous savez pourquoi mon étoile brille et continue à briller? Parce que je ne couche pas. Coucher avec quelqu'un, c'est un partage d'énergie. Ça, je vous le dis tous les jours. Coucher avec quelqu'un, c'est un partage. Quand je dis aux gens que je compte sur mes 5 doigts, les gars qui sont montés sur moi, qui ont grimpé sur moi, on va dire, oh, chaque mois, wow, wow. Je compte sur mes 5 doigts. Les gars qui sont montés sur moi. Parce que me pénétrer, c'est partager l'énergie. C'est spirituel. Tu sais que tu peux sortir avec quelqu'un. Ça te porte chance jusqu'à... Tu sois avec une autre personne. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est spirituel. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, ton âme et son âme se lient. Ton âme et son âme se lient. C'est spirituel. Vous ne savez pas où les grands hommes d'affaires la mettent leurs pieds. Vous ne savez pas les sacrifices qu'ils font. Voilà une histoire. L'autre jour, Léa m'appelle que Aïcha, l'histoire, c'est toi qui dois parler de ça. Voilà une jeune fille. Ils ont pris l'appartement. Ils étaient en train de faire un anniversaire dans une maison. Ils ont pris l'appartement meublé. Ils étaient dans la maison, moi, autour de 6 comme ça. Elle, la veille, elle avait rencontré un monsieur. Non, elle partage, elle partage le jour, elle partage de quoi. Elle rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, tu peux venir avec moi. Elle répond au monsieur que non, je ne peux pas venir parce que je suis avec mes amis. Je ne peux donc pas venir. C'est comme ça que le monsieur lui donne 300 000, c'est 300 000. Hein, et il lui donne sa carte de visite. Que appelle-moi, comme ça tu vas me rejoindre sur tel endroit. Elle arrive, elle dépose son sac. Comme elle a vu 300 000, elle a dit que maman, si je laisse le gros poisson, si je vais encore avoir l'argent, où? Mais non, c'est comme ça qu'elle prend. Elle pas voir le gardien. Le gardien dit qu'à l'heure-ci, tu ne peux pas sortir à l'heure-ci, c'est fait très tard. Elle dit non au gardien, comme beaucoup de personnes sont corrompues, elle retire un billet de 10 000 pour fermer la bouche du gardien. Elle donne au gardien. Elle part rejoindre un monsieur. Le monsieur qui l'a donné les 300 000 ans. Elle part rejoindre le monsieur. Écoutez très bien. Qu'elle arrive maintenant pour rejoindre le monsieur maintenant. Le monsieur lui dit, conduit, elle ne sait même pas où elle part. Le monsieur conduit. Il gare quelque part. Il n'y a que la forêt autour de lui. Il lui dit qu'il faut qu'on se lave ici. Est-ce que, mais, est-ce que tu viens ici là pour me laver? Il dit que non, tu dois te laver ici. Le monsieur veut la forcer à se laver. Elle se bagarre. Non, je ne veux pas me laver, pas me laver. Elle dit qu'elle ne se rappelle plus ce qui s'est passé jusqu'à quand elle est rentrée chez elle. Quand elle rentre chez elle maintenant, elle explique à sa mère que ça, depuis qu'elle est rentrée, elle maigrit seulement. Tout l'argent que le monsieur lui a donné, c'est à partir pour les médicaments. Elle ne sait pas ce qu'on a fait sur elle. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Elle maigrit seulement. On parle des choses mystiques, ça existe. Il est bien vrai que moi, il y a certaines choses que je ne crois pas. Mais ça existe. Il faut savoir comment marcher. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Vous savez pourquoi moi, on ne peut pas m'amener quelque part, hein? Parce que je n'ai pas les longs yeux. Vous savez pourquoi moi, on ne peut pas m'amener quelque part, hein? Parce que je n'ai pas les longs yeux. Je ne peux pas voir la chose de ma copine et envier. Je ne peux pas voir comment ma copine a évolué et j'envie. Je suis ici depuis 10 ans. Nombreux sont venus après moi, mais m'ont déjà dépassé. Mais je dors tranquillement. Parce que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Mes choses avancent à mon rythme. Et je suis satisfait au rythme auquel ça avance. Je ne cours pas parce que la vie n'est pas la course. La vie va t'enseigner si tu veux courir. La vie va te montrer la montre si tu veux courir. La vie va te faire lire l'heure si tu veux courir. Parce que beaucoup d'entre vous sont envieux. Beaucoup d'entre vous entrent même dans les loges sans savoir. Parce que tu vas voir ton
ton ami, ah, tu vas lui demander comment il a fait pour avoir. C'est ta curiosité qui peut t'amener quelque part. Excusez-moi. Dans les églises, il y a la sorcellerie qui se passe à l'église. Mais si toi, tu pars à l'église, tu pries, tu rentres chez toi. Tu pars à l'église, tu peux prier ton Dieu, tu rentres chez toi, tu n'auras rien. Mais si tu pars à l'église, tu veux savoir ce qui se passe derrière l'église. C'est là que tu vas voir la montre. Si tu pars pour prier ton Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je vous salue Marie, pleine de grâce, et puis tu rentres chez toi. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Oui, Kaiden, oui. Je peux vous rappeler, juste dans quelques petites minutes, j'étais dans un bureau. D'accord. D'accord. Ok, bah, vous me rappelez dans 10 minutes? Merci, à tout à l'heure. Excusez-moi, c'est pour Kaiden. Donc, j'étais donc en train de vous dire ceci, mesdames et mesdames, pas enfin, juste direct, s'il vous plaît. Vous savez que la page est restreinte. Vous savez que la page est totalement restreinte. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Je disais donc ceci. Vous, sur Internet, vous êtes très envieux. Vous enviez trop la vie des gens. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes, là, vous vendent le rêve. Vous montrez ce qu'ils ne sont pas. Tu entends? Tu entends? Attendez, j'en viens. Je vais en venir. Écoutons. Parce que pour une fois, il faut passer un message. Je compte si votre énergie. Parce que vous pensez que l'étoile que vous avez là, l'étoile que vous avez là, les sorciers guettent ça jour et nuit. Je dis, prenez ce conseil. Un jour, vous allez dire, on a eu un grand frère qui s'appelait Pifou. La preuve, je suis le tout premier producteur des influenceurs au Cameroun. Vous connaissez le travail que j'ai fait. Mais avec tout l'argent que j'ai gagné, en 3 ans, j'ai gagné combien de millions? Mais est-ce que vous m'avez vu voyager? Je ne suis jamais allé à Dubaï. Pas parce que je ne peux pas. Parce que je me dis que Dieu a dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la concurrence de celui qui va arriver en premier à Dubaï, ira au paradis. Écoute. Merci beaucoup. Vous vous rappelez, il y a un moment ici là, dès que quelqu'un avait seulement 100 000 likes, il partait à Dubaï. Dès que quelqu'un avait seulement un petit like, il partait à Dubaï. C'est encore vous les envieux. Aïcha Kamoua, ses amis sont à Dubaï, tu fais quoi en France? C'est encore vous, les longs yeux. Vous allez à l'entrée, vous allez aller signer sans lire, continuer. J'étais assis ici là, préparer l'avenir de mes enfants parce qu'on m'a abandonné avec 2 enfants, je vous le dis tous les jours. On m'a abandonné avec 2 enfants. J'étais assis ici là. Je cherchais mon argent. Quelqu'un signe seulement, tu entends, on l'a invité à Dubaï. Quelqu'un signe seulement 100 000, tu entends, 100 000 likes, tu entends, il est parti à Dubaï. Tous les influenceurs là sont partis à Dubaï. Aïcha Kamoua était assis ici. Tous les influenceurs là ont pris business class. Écoutez très bien ce que je vous dis. Tous les influenceurs là ont pris business class. Je n'ai jamais pris business class. Mais mon temps va arriver. Parce que le temps de l'homme n'est pas celui de Dieu. Le temps va arriver, le temps que va prendre la business. C'est pas parce que je n'ai pas. Vous voyez, je vous ai montré seulement un peu de mes œuvres. Même pas beaucoup. Un peu. Donc vous voyez ce que j'ai fait là. Vous pensez que je n'ai pas l'argent pour aller en business class? Vous pensez que je n'ai pas l'argent? Bonjour Kaïdoudou. Ça va mon Kaïdoudou? T'as bien dormi mon amour? Va te brosser les dents alors. Vous pensez que je n'ai pas l'argent pour aller à Dubaï? Vous pensez que je n'ai pas l'argent pour m'associer en business? Quand je voyais tout le temps, je suis en place éco avec les autres. Donc vous pensez que je n'ai pas les moyens pour m'acheter donc 500 euros de plus pour aller en business class? Parce que la vie n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas le suivisme. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, tu viens passer devant tes yeux dans mon cas, dans le son. La vie, ce n'est pas le suivisme. Tous mes collègues là sont en business class. Je peux aussi faire le business. Mais si je fais le Vumba, ça ne va pas donner. Parce que ça ne serait pas naturel. Si je cherche même à faire le Vumba, ça ne va pas donner. Mais vous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est tout vous qui êtes en train de me comparer. Aïcha Kamoise, vraiment, tu ne peux pas aussi mettre les bonnes perruques. C'est les perruques qui me manquent. Hein? Ce sont les perruques qui me manquent. Tu veux ta chaise? Tiens. De rien, Kaïdoudou. Je demande des millions et millions. Je vends les perruques, non? Ça
les perruques qui me manquent. C'est mettre les perruques qui me manquent. Non. Comprenez juste que non. La vie, c'est un choix. Faisons le bon choix. La vie, c'est un choix. Faisons le bon choix. Sinon, vous allez lire l'heure sur le calendrier indien. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, moi, j'utilise des produits de chez Camoise Beauty. Faites à base d'intrants naturels et organiques. Camoise Beauty. Tu ne sais. Camoise Beauty. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, j'utilise les produits de chez Camoise Beauty. Faites à base d'intrants naturels et organiques. Camoise Beauty ne décape pas. Quand tu te balades dans l'ombre de la mort, tu ne crées aucun mal. Nous avons aussi la gamme pour enfants. Je ne sais pas pourquoi vous commandez seulement pour vous. Vous ne commandez pas pour les, pour les enfants. Nous avons ceci, une gamme pour les enfants, composée de 5 produits. Faites un tour sur notre site internet www.camoisebeauty.com. Jessica Serré. Jessica Serré vous permet de resserrer la paroi vaginale afin d'avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Pour lutter contre les pertes blanches abondantes, les odeurs nauséabondes et des démangeaisons vaginales, il est recommandé d'utiliser les ovules de chez Camoise Beauty, disponibles chez nos représentantes et sur notre site internet www.camoisebeauty.com. Écoutons. En premier à Dubaï, là au paradis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas la concurrence de celui qui va arriver, qui va se filmer devant la tour Eiffel en premier, ira au paradis. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout ce qui brille n'est pas or, le diable s'habille en Prada. Écoutez bien ce que je vous dis ce dimanche. Un jour, vous allez me dire merci. Les choses de Dieu sont les choses simples. Les choses de Dieu sont les choses simples. Et vous allez voir tout ce qu'on a trompé là. On vous donne une fausse gloire. Vous êtes sûr que vous êtes puissant. Mais c'est pour combien de temps? Faites attention. À mes petits frères influenceurs, faites attention. Vous qui venez d'entrer dans le showbiz, faites attention. C'est un monde qui glisse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'adresse spécialement aux gars du showbiz, aux jeunes influenceurs, artistes, blogueurs. Faites attention. Faites attention. Il y a les tireurs d'énergie partout. Il y a les voleurs de chance partout. Il y a les voleurs d'étoiles partout. On vous trompe. On vous fait vivre une vie de luxe pour combien de temps? Faites attention. Je n'ai pas d'amis riches. Je ne connais pas les amis riches. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce que j'ai, le peu que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. C'est pourquoi vous allez voir. Toute force du mal forgée contre moi sera vaine et sans effort. Et sans effet, autant pour moi. Écoutez bien ce que je vous dis. Marchez avec Dieu. Qu'on ne vous trompe pas que venez ici là. On va vous donner telle chose, vous allez avoir le succès. Venez là. Je ne fais pas de tontine, moi un bamiléke. Je ne fais pas de réunion, moi un bamiléke. Je ne fais pas de tontine, je ne fais pas de réunion. C'est pas pour rien. Méfiez-vous quand vous avez l'étoile. Et mon étoile, personne. Moi-même, je ne fais pas de tontine. Pour une fois ici, Robinson Pifo a très bien parlé. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Pour une fois ici, là, il a très bien parlé. Il a parlé un message profond. Et ceux qui ont les oreilles vont écouter. On ne va pas prononcer le nom de quelqu'un ou de qui que ce soit. Mais si vous avez les oreilles pour entendre, vous allez entendre. Venant de Robinson Pifo, pourquoi c'est maintenant qu'il fait sa sortie? Donc, si vous avez les oreilles pour comprendre, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas les oreilles, tant pis pour vous. Quand je viens ici, là, la vraie magie, c'est le travail. Si tu veux courir vite, on va te donner ce que tu vas courir vite avec. La vraie magie, c'est le travail. Me voici ici. C'est moi qui vends les produits de beauté. Vous pensez que ce sont les sous qui voient ça? Nous sommes 1500 personnes. Quand je vais quitter ce direct, il y a au moins 5 commandes qui vont passer. Le soir, j'en ferai encore l'autre. Donc, quand je vais quitter, il y aura encore peut-être 5 commandes. Ça me fait 10 commandes par jour. Donc, si en moyenne, je vends seulement 50 euros par commande, c'est que j'ai combien par jour? Ok. Je livre les perruques. Les extensions de perruques. Ce n'est pas les fous qui achètent. Ok. La nourriture. Je peux dire que ouais, maman. Si j'ai beaucoup d'argent, pourquoi je vais me tracasser pour cuisiner? Parce que je cuisine et je livre. Les gens viennent chercher aux 14 rue Fernand Laborie. Le week-end, nous faisons le couscous cuit, le taro. En
En semaine, nous faisons tout ce qui est poulet braisé, porc braisé, brochette, poisson braisé, condrène, dolet, héros, macabo râpé. On fait un peu de tout en semaine. Mais le week-end, c'est spécial. En semaine, vous pouvez avoir le cuit. Hein. Mais le week-end, c'est spécial. D'avoir spécial cuit. Je cuisine, les gens viennent chercher. Parce que j'ai besoin d'argent. C'est un peu fatigant. Mais c'est quand on est jeune qu'on cherche l'argent, millions et millions. Si tu cherches l'argent, tu vas avoir l'argent. Ce qui dit, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est que tu ne cherches pas ma puce. C'est que tu ne cherches pas. Il faut chercher l'argent. Le cinéma, je suis investi. Il faut chercher. Et ne pas avoir peur d'investir. Parce que c'est en investissant que tu peux être sûr si tu peux avoir ou pas. Tu peux investir, tu perds. Mais le business, c'est le risque. Hein? Le business, c'est le risque. Oui, mais j'ai fait un job chez nous. J'ai fait un job chez Pocha. Posaka. Mocha Chouka. Le business, c'est le risque. Beaucoup de taille, je ne sais pas, ma chère, ma soeur. Tu sais dans quoi je me suis lancée et que j'ai perdu. Mais je rechute sur autre chose. Depuis, par exemple, le commerce des gaines ne passe plus trop. Je suis dans le commerce des cosmétiques. Quand le cosmétique ne va plus passer, je vais rebondir dans autre chose. Vous voyez, je touche à tout. Parce que c'est quand tu es jeune comme cela que tu dois chercher l'argent. Je vous ai dit que Dieu me prête longue vie. La vie que vos stars mènent là, je vais mener ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens pour mener ça. Parce que j'ai encore beaucoup de choses que je dois accomplir. J'ai l'avenir des enfants que je dois préparer. Ils doivent faire des grandes études. Je dois être capable de payer les inscriptions universitaires. Quand je vous dis tous les jours, venez faire comme ceci pour qu'on puisse avoir l'argent. Hein? Venez faire comme cela, ça ne vous intéresse pas. Écoutons, continuons, écoutons le message de Pifo. Et puis, on va faire une conclusion. Quand vous avez l'étoile, mon étoile, personne ne peut l'entacher. La madame qui a essayé, le faux marabout qui a essayé d'entacher mon étoile, vous voyez comment elle est en train de disparaître, non? Vous voyez comment elle est en train de disparaître, non? Faites très attention. Faites très attention. Marchez avec Dieu. Et quand vous marchez avec Dieu, personne ne peut vous toucher. Les choses qu'on vous trompe, que venez entrer dans tel ceci, venez prendre ceci pour... Laissez-moi vous dire, quand tu es avec Dieu, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Peu importe ce que les gens vont dire, Aïcha, Aïcha, quand j'ai la paix du cœur et que je sais que le Seigneur n'est pas contre ce que je dis, ce que tout le monde dit, je m'en contrefous. Parce que c'est Dieu qui donne. Il y en a qui m'ont dit que venez entrer pour vous protéger. Protéger quoi sur toi? Qu'à 4h du matin, il faut que tu ailles dormir dans les cimetières. Parce qu'il faut que tu te protèges. Protéger quoi sur toi? Prends le Seigneur, tu mets à ta gauche. Tu prends la Vierge Marie, tu mets à ta droite. Et avance. Et avance. Qui va être contre toi? Est-ce que vous savez qu'il y a les esprits qu'on ne tente pas? Que quelqu'un vient comme ça là. Des fois, il me lève comme ça que j'ai bagarré toute la nuit. Je ne sais pas avec qui j'ai bagarré. Qu'on vient te chercher comme ça là. Ce sont les anges même qui sont en train de bagarrer avec l'autre esprit démoniaque qui vient te chercher. Quand le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? Il y en a ici qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils doivent faire des incantations. On a dit qu'à 5h du matin, ils doivent aller au cimetière, faire le quoi, quoi, quoi. On te dit que oh, tu vas dormir avec la folle. Vous pensez que c'est l'argent facile, mais ce n'est pas l'argent facile. Quand moi je dors mon sommeil. Le bon sommeil. Je me lève quand mon sommeil a fini dans mes yeux. C'est là que je me lève. L'argent que le diable te donne n'a pas de goût. Vous avez vu un millionnaire, le film millionnaire des Nigériens là. Vous avez vu le film là. Les pères là ne dormaient pas. Les pères là ne dormaient pas. Parce qu'à tout moment, on va venir. Vous pensez que gagner l'argent n'est pas facile. C'est vous qui pensez qu'entrer dans la sorcellerie, c'est facile. Ce n'est pas facile. Oui, Kaïdoudou. Hein? Il y a plus de dentifrice. Donc, regarde. S'il y a le dentifrice encore dedans, regarde. Va prendre ta brosse, tu vas me donner demain le dentifrice.
Va prendre ta brosse, regarde, voici le dentifrice. Va prendre ta brosse, tu vas me donner demain le dentifrice. Méliane, c'est Méliane. Je vais vous laisser. Voilà Kaidoudou qui veut déjà. Comme quoi, Kaidoudou? Je dois aller donner, je dois aller brosser les dents de Kaidoudou parce qu'il est brosse, mais il ne brosse pas bien. Donc, je dois aller brosser. Où est ta brosse? Ici. Voilà, mets le dentifrice, tu brosses bien, hein? Voilà. Je dois aller juste brosser les dents parce que. Il dit que. Oui, Kenan, tu vois le dentifrice aussi, attendez. Tout dans la brosse, non? Mais non, je dois vous dire au revoir pour aller m'occuper des enfants, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très bien. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour acquérir vos produits, les produits de chez Camoise Beauty. Bientôt, par la grâce de Dieu, la boutique Camoise Beauty va ouvrir en France. Grâce à Dieu, oui. Quand même, ça fait 2 ans qu'on est déjà là. Donc, il faut quand même... On avance... Moi, vous connaissez comment moi je procède. J'avance doucement, mais sûrement. Mes amis sont venus, ils ont ouvert les boutiques devant moi. J'étais toujours ici. Hein? J'étais toujours ici, là, non, millions et millions. Moi, mes amis, vous connaissez, je me dis, parce que je dis, mes amis sont mes collègues. Elles ont ouvert les boutiques de Paz et autres, un peu partout, partout. Moi, j'étais toujours ici, là, non. Voilà. Maintenant, ma part de temps a sonné que Dieu a dit que Aïcha, il est temps que tu ouvres ta part de boutique. J'espère seulement, moi, je marche toujours avec Marie de faire les nœuds. Ça, c'est pour vous. Chacun ses croyances. Ne me dérangez pas. Chacun ses croyances, maman. Quand je parle comme ça, j'espère, hein, j'espère seulement que le Seigneur va continuer à mettre la main sur ce business éternel, mon Dieu Tout-Puissant. J'espère seulement qu'il va continuer à mettre et que la boutique que je suis en train d'ouvrir soit fructifiée. Que ça rapporte encore, encore, encore. J'appelle ici à mes liens qui me portent dans leur cœur de mettre ce souhait en prière. Je ne parle pas de mes haters. Je parle de mes liens parce que sur 1190 personnes qui sont en train de regarder actuellement, 1200 personnes, 1000 peuvent être mes haters, mais 200 personnes peuvent m'aimer. Et les 200 personnes qui peuvent m'aimer, leur prière est beaucoup plus puissante que la prière, que les vœux. Parce que ceux, les 1000 qui ne m'aiment pas, leurs vœux ne peuvent pas aboutir. Si les 200 personnes qui m'aiment, qui me portent dans leur cœur, qui m'aiment pour ce que je suis, me... Oui.